Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, avant de vous adresser quelques mots d'exhortation, je voudrais d'abord dissiper quelques malentendus. Et d'abord au sujet de cette réunion elle-même. Vous pouvez voir par la simplicité de la cérémonie que nous faisons que nous n'avions point préparé une cérémonie qui aurait réuni une foule comme celle qui se trouve dans cette salle. Nous avions pensé que nous aurions célébré la Sainte Messe le 29 août, comme il était convenu, au milieu de quelques centaines de fidèles de la région de Lille, comme je le fais fréquemment en France, en Europe et même en Amérique, sans histoire. Et voici que tout à coup, cette date du 29 août est devenue, par la presse, par la radio, par la télévision, comme une espèce de manifestation qui ressemblerait, dit-on, à un défi. Eh bien non, cette manifestation n'est pas un défi. Cette manifestation, c'est vous qui l'avez désirée, chers fidèles, chers frères, qui êtes venus ici de loin. Pourquoi ? Pour manifester votre foi catholique, pour manifester votre croyance, pour manifester votre désir de prier et de vous sanctifier comme l'ont fait vos pères dans la foi, comme l'ont fait des générations avant vous. Voilà quel est l'objet véritable de cette cérémonie pendant laquelle nous désirons prier, prier de tout notre cœur, adorer notre Seigneur Jésus-Christ, qui descendra dans quelques instants sur cet autel et qui renouvellera le sacrifice de la croix dont nous avons tant besoin. Je voudrais également dissiper un autre malentendu. Et là, je m'excuse, mais je suis obligé de le dire, ce n'est pas moi qui me suis appelé le chef des traditionalistes. Vous savez qui l'a fait il y a peu de temps, dans des circonstances tout à fait solennelles et mémorables à Rome. On a dit que Mgr Lefebvre était le chef des traditionalistes. Je ne veux point être le chef des traditionalistes, et je ne le suis point. Pourquoi ? Parce que je suis moi aussi un simple catholique, certes prêtre, certes évêque, mais qui suis dans les mêmes conditions dans lesquelles vous vous trouvez, et qui ai les mêmes réactions devant la destruction de l'Église, devant la destruction de notre foi, devant les ruines qui s'accumulent devant nos yeux. Ayant eu la même réaction, j'ai pensé qu'il était de mon devoir de former des prêtres, de former de vrais prêtres dont l'Église a besoin. Ces prêtres, je les ai formés dans une société saint-pidiste qui a été reconnue par l'Église. Et je ne faisais que ce que tous les évêques ont fait pendant des siècles et des siècles. Je n'ai pas fait autre chose. Et ce que j'ai fait pendant 30 années de ma vie sacerdotale, ce qui m'a valu d'être évêque, ce qui m'a valu d'être délégué apostolique en Afrique, ce qui m'a valu d'être membre de la commission centrale préconciliaire, ce qui m'a valu d'être assistant au trône pontifical, que pouvais-je désirer comme preuve que Rome estimait que mon travail était un travail qui était profitable à l'Église et au bien des âmes. Et voici que je fais la même chose. Je fais une œuvre tout à fait semblable à celle que j'ai accomplie pendant 30 années,
Et voici que tout à coup, je suis suspend à Divinis, peut-être bientôt excommunié, séparé de l'Église, renégat, que sais-je? Est-ce possible? Est-ce donc que ce que j'ai fait pendant 30 ans était susceptible aussi d'une suspense à Divinis? Je pense au contraire que si à ce moment-là, j'avais formé mes séminaristes comme on les forme maintenant dans les nouveaux séminaires, j'aurais été excommunié. Si j'avais à ce moment-là enseigné le catéchisme qu'on enseigne dans les écoles à ce moment-là, on m'aurait dit hérétique. Et si j'avais dit la Sainte Messe, comme on l'a dit maintenant, on m'aurait dit suspect d'hérésie. On m'aurait dit aussi hors de l'Église. Alors je ne comprends plus. Quelque chose précisément a changé dans l'Église. C'est à cela que je veux en venir. J'ajoute une petite parenthèse pour le cher Monseigneur Ducos-Bourget qui est ici présent. Il m'a prié, et je le comprends très bien, de dire qu'il était absolument faux, qu'il ait été, lui, suspend à Divinis et qu'il ait été rayé de l'ordre de Malte. Il y a beaucoup d'inventions qui sont faites ainsi dans la presse et qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Comme on m'a dit aussi que j'allais aller à l'assemblée de Lourdes, alors des évêques de Lourdes, et que je n'ai jamais eu l'intention d'y aller. Mais nous devons justement retourner aux raisons qui nous font prendre cette attitude, oh, attitude extrêmement grave, je le reconnais, s'opposer aux autorités les plus grandes dans l'Église. Être suspend à Divinis pour un évêque, c'est une chose grave, une chose très pénible. Comment peut-on supporter une chose comme celle-là, sinon pour des raisons excessivement graves? Et oui, les raisons de notre attitude et de votre attitude sont des raisons graves. C'est la défense de notre foi. La défense de notre foi, mais est-ce que les autorités qui se trouvent à Rome mettraient en péril notre foi? Je ne juge pas ces autorités, je dirais que je ne veux pas les juger personnellement. Je voudrais les juger comme le Saint-Office autrefois jugeait un livre et le mettait à l'index. Rome étudiait le livre, n'avait pas besoin de connaître la personne qui avait écrit ce livre. Mais il lui suffisait d'étudier ce qu'il y avait dans les propos qui étaient écrits. Et si ces propos étaient contraires à la doctrine de l'Église, ce livre était condamné et mis à l'index. Sans avoir besoin d'interpeller la personne, on a dit précisément au Concile, certains évêques se sont élevés contre cette procédure en disant « il est inadmissible qu'on mette un livre à l'index alors qu'on n'a même pas entendu celui qui l'a écrit ». Mais on n'a pas besoin de mettre à l'index quelqu'un qui l'a écrit, de voir quelqu'un qui a écrit le livre, pourvu qu'on ait le texte en main de choses qui sont absolument contraires à la doctrine de l'Église. C'est le livre qui est condamné, parce que ses paroles sont contraires à la doctrine catholique. C'est donc de cette manière que nous devons juger les choses, nous devons les juger par les faits. Comme l'a dit très bien notre Seigneur dans l'Évangile que nous lisions il y a peu de temps encore, et à propos précisément de ces loups qui sont couverts de peaux de brebis, il disait « nous reconnaîtrons l'arbre à ses fruits ». Eh bien, les fruits sont devant nous. Les fruits nous sont évidents. Ils sont clairs devant nos yeux. Ces fruits qui viennent du Concile Vatican II et des réformes post-conciliaires sont des fruits amers, des fruits qui détruisent l'Église. Et lorsqu'on me dit « mais ne touchez pas le Concile, dites les réformes post-conciliaires », alors je réponds « comme le disent ceux qui font les réformes, ce n'est pas moi qui ai fait ces réformes ».
Ceux qui font ces réformes disent, nous les faisons au nom du Concile. Nous avons fait la réforme liturgique au nom du Concile. Nous avons fait la réforme des catéchismes au nom du Concile. Nous avons fait toutes les réformes au nom du Concile. Or, ce sont eux les autorités de l'Église. Ce sont eux qui interprètent par conséquent légitimement le Concile. Or, que s'est-il passé dans ce Concile? Mais nous pouvons le savoir facilement en lisant les livres de ceux qui ont précisément été les instruments de ce changement dans l'Église qui s'est opéré sous nos yeux. Lisez par exemple l'œcuménisme vu par un franc-maçon de Marsodon. Lisez le livre du sénateur du Doubs, M. Prélot, « Le catholicisme libéral », écrit en 69, et il vous dira ce qu'est le Concile, lui catholique libéral. Il le dit dans les premières pages de son livre. Nous avons lutté pendant un siècle et demi pour faire prévaloir nos opinions à l'intérieur de l'Église et nous n'y avons pas réussi. Enfin est venu Vatican II et nous avons triomphé. Désormais, les thèses et les principes du catholicisme libéral sont désormais définitivement acceptés et officiellement par la Sainte Église. Vous voyez que ce n'est pas un témoignage? Ce n'est pas moi qui le dis cela. Mais lui le dit en triomphant, lui le dit en se félicitant, nous le disons en pleurant. Car qu'ont voulu les catholiques libéraux pendant un siècle et demi? Marier l'Église et la Révolution, marier l'Église et la subversion, marier l'Église et les forces destructives de la société, de toute société, depuis la société familiale, la société civile, la société religieuse. Et ce mariage de l'Église, il est inscrit dans le Concile. Prenez le schéma Gaudium et Spes et vous y trouverez. Il faut marier les principes de l'Église avec les conceptions de l'homme moderne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut marier l'Église catholique, l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, avec des principes qui sont contraires à cette Église, qui la minent, qui ont toujours été contre l'Église. Et c'est précisément ce mariage qui a été tenté dans le Concile par des hommes d'Église et non pas par l'Église, car jamais l'Église ne peut admettre une chose comme celle-là. Pendant un siècle et demi précisément, tous les souverains pontifs ont condamné ce catholicisme libéral, ont refusé ce mariage avec les idées de la Révolution. Ceux qui ont adoré la déesse raison, les papes n'ont jamais pu accepter des choses semblables. Et au nom de cette Révolution, les prêtres sont montrés sur l'échafaud, les religieuses ont été persécutées et également assassinées. Souvenez-vous des pontons de Nantes, où étaient amassés tous les prêtres fidèles et on les coulait au large. Voilà ce qu'a fait la Révolution. Eh bien, je vous dis, mes bien chers frères, ce qu'a fait la Révolution n'est rien à côté de ce qu'a fait le Concile Vatican II. Rien. Il eût mieux valu que les 30, les 40, les 50 000 prêtres qui ont abandonné leur soutane, qui ont abandonné leur serment fait devant Dieu, soient martyrisés, aillent à l'échafaud. Ils auraient au moins gagné leur âme. Et maintenant, ils risquent de la perdre. On nous dit que parmi ces pauvres prêtres mariés, beaucoup déjà sont divorcés. Beaucoup ont fait des demandes en nullité de mariage à Rome. Qu'est-ce que ça signifie, ces choses-là? Combien de religieuses, 20 000 religieuses aux États-Unis qui ont abandonné leur religion, qui ont abandonné leur congrégation religieuse et leur serment qu'elles avaient fait d'une manière perpétuelle, rompu ce lien qu'elles avaient avec notre Seigneur Jésus-Christ pour courir aussi au mariage? Il aurait mieux valu également qu'elles montent sur l'échafaud. Au moins, elles auraient témoigné de leur foi. Et pourquoi la Révolution française, en définitive, vous savez, quand un ennemi fait des martyrs de l'Église, il fait ce que l'adage déjà disait dans les premiers siècles, « Sanguis martyrum, semen christianorum ». Le sang des martyrs est une semence de chrétiens.
Et ils le savent bien, ceux qui persécutent les chrétiens. Ils ont peur d'en faire des martyrs, parce qu'ils savent que le sang des martyrs est une semence de chrétiens. Mais on ne veut plus faire de martyrs. Ça a été le summum de la victoire du démon de détruire l'Église par obéissance. Détruire l'Église par obéissance. Nous la voyons détruite tous les jours sous nos yeux. Le séminaire vide, ce beau séminaire de Lille qui était rempli de séminaristes. Où sont les séminaristes? Qui sont-ils encore, ces séminaristes? Savent-ils qu'ils vont être prêtres? Savent-ils ce qu'ils vont faire quand ils vont être prêtres? Ah, c'est précisément parce que cette union voulue par ces catholiques libéraux, voulue entre l'Église et la Révolution et la subversion, est une union adultère de l'Église, adultère. Et de cette union adultère ne peuvent venir que des bâtards. Et qui sont ces bâtards? Ce sont nos rites. Le rite de la messe est un rite bâtard. Les sacrements sont des sacrements bâtards. Nous ne savons plus si ce sont des sacrements qui donnent la grâce ou qui ne la donnent pas. Nous ne savons plus si cette messe donne ou donne le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ ou s'il ne la donne pas. Les prêtres qui sortent des séminaires ne savent plus eux-mêmes ce qu'ils sont. C'était le cardinal Cincinnati qui à Rome disait « Pourquoi il n'y a plus de vocation ?» Parce que l'Église ne sait plus ce qu'est un prêtre. Alors, comment peut-elle former encore des prêtres si elle ne sait plus ce que c'est qu'un prêtre? Les prêtres qui sortent des séminaires sont des prêtres bâtards. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ils ne savent pas qu'ils sont faits pour monter à l'autel, pour offrir le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, et pour donner Jésus-Christ aux âmes, et appeler les âmes à Jésus-Christ. Voilà ce qu'est un prêtre. Et nos jeunes qui sont ici le comprennent bien. Toute leur vie va être consacrée à cela, à aimer, à adorer, à servir notre Seigneur Jésus-Christ dans la Sainte Eucharistie, parce qu'ils y croient, à la présence de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie. Et cette union adultère de l'Église et de la Révolution se concrétise par le dialogue. L'Église, si elle a dialogué, c'est pour convertir. Notre Seigneur a dit « Allez, enseignez toutes les nations, convertissez-les. » Mais il n'a pas dit « Dialoguez avec elles pour ne pas les convertir, pour essayer de vous mettre sur le même pied qu'elles. » L'erreur et la vérité ne sont pas compatibles. On doit chercher, si on a la charité pour les autres, comme vient de le dire l'Évangile, celui qui a la charité, c'est celui qui sert les autres. Eh bien, ceux qui ont la charité doivent donner notre Seigneur, doivent donner la richesse qu'ils ont aux autres, et non pas converser avec eux, dialoguer avec eux sur un pied d'égalité. La vérité et l'erreur ne sont pas sur un pied d'égalité. Ce serait mettre Dieu et le diable sur le même pied, puisque le diable est le père du mensonge, le père de l'erreur. Nous devons, par conséquent, être missionnaires. Nous devons prêcher l'Évangile, convertir les âmes à Jésus-Christ, et non pas dialoguer avec eux en essayant de prendre leurs principes. C'est ce qui nous a fait cette messe bâtarde et ces rites bâtards, parce qu'on a voulu dialoguer avec les protestants et que les protestants nous ont dit « Nous ne voulons pas de votre messe, nous n'en voulons pas parce qu'elle comporte des choses qui sont incompatibles avec notre foi protestante. » Alors changez cette messe et nous pourrons prier avec vous, nous pourrons faire des intercommunions. Nous pourrons recevoir vos sacrements, vous pourrez venir dans nos églises, nous irons dans les vôtres et tout sera fini et nous aurons l'unité. Nous aurons l'unité dans la confusion, dans la bâtardise. Nous ne voulons pas de cela. Jamais l'Église ne l'a voulu. Nous aimons les protestants, nous voudrions les convertir. Mais c'est ne pas les aimer que de leur faire croire qu'ils ont la même religion que la religion catholique. C'est la même chose avec les francs-maçons. On veut maintenant dialoguer avec les francs-maçons, non seulement dialoguer avec eux, mais permettre aux catholiques de faire partie de la franc-maçonnerie. Mais c'est encore un dialogue abominable. Nous savons parfaitement que ces personnes qui dirigent la franc-maçonnerie, au moins les responsables, sont foncièrement contre notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces messes noires qu'ils font, ces messes abominables, sacrilèges,
horribles qu'ils font. Ce sont les parodies de la messe de notre Seigneur. Et ils veulent des hosties consacrées, eux, pour faire ces messes noires. Ils savent que notre Seigneur Jésus-Christ est dans l'Eucharistie, car le diable le sait que notre Seigneur Jésus-Christ est dans l'Eucharistie. Ils ne veulent pas des hosties qui viennent de messe dont ils ne savent pas si le corps de notre Seigneur est là ou pas. Alors, dialoguer avec des gens qui veulent la mort de notre Seigneur Jésus-Christ une seconde fois, dans la personne de leurs membres, dans la personne de l'Église, nous ne pouvons pas admettre ce dialogue. Nous savons ce qu'a valu le dialogue avec le diable, le premier dialogue d'Ève avec le diable. Elle nous a perdus, elle nous a tous mis dans l'état de péché, parce qu'elle a dialogué avec le diable. On ne dialogue pas avec le diable. Et on prêche avec ceux qui sont sous l'influence du diable, afin qu'ils se convertissent, afin qu'ils viennent à notre Seigneur Jésus-Christ. On ne dialogue pas avec les communistes. Heureusement que les chrétiens du Nord ne sont pas d'accord avec vous. On dialogue avec les personnes, mais on ne dialogue pas avec l'erreur. Nous verrons, si les armées qui sont prêtes le long des territoires du rideau de fer, si un jour elles désiraient passer le rideau de fer, si un jour, après les nombreuses séances que les soviets suprêmes a eues, si jamais il y avait une voie de majorité pour que ces armées déferlent sur nos pays, en 5 jours... Eh bien, chers frères, ne soyez pas émus. Laissons ceux qui ne comprennent pas les choses comme nous, mais demandons au bon Dieu que de leur donner la lumière. Mais précisément, pourquoi sommes-nous d'une manière vraiment ferme et résolue de ne pas accepter cette union adultère de l'Église avec la Révolution? Parce que nous affirmons la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Pierre a-t-il été fait Pierre? Rappelez-vous de l'Évangile. Pierre est devenu Pierre parce qu'il a professé la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous les apôtres ont professé aussi cette foi publiquement après la Pentecôte. Et on les a poursuivis immédiatement. Les princes des prêtres leur ont dit « Ne parlez plus de ce nom, nous ne voulons plus entendre ce nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Et les apôtres ont dit « Non post sumus, nous ne pouvons pas ne pas parler de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre roi. » Mais vous me direz « Mais est-ce possible que vous semblez accuser Rome de ne pas croire à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ ?» Le libéralisme a toujours 2 faces. Il affirme la vérité et qu'il prétend être l'hypothèse, la thèse, et ensuite dans la réalité, dans la pratique, dans l'hypothèse, comme il dit, il agit comme les ennemis avec les principes des ennemis de l'Église. De telle manière qu'on est toujours dans l'incohérence. Toujours dans l'incohérence. Eh bien, que veut dire la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ? C'est que notre Seigneur est la seule personne au monde, le seul être humain au monde qui a pu dire « Je suis Dieu ». Et par le fait même qu'il a pu dire « Je suis Dieu », il était le seul sauveur de l'humanité, il était le seul prêtre de l'humanité et il était le seul roi de l'humanité. Par sa nature, non pas par privilège, non pas par titre, par sa propre nature, parce qu'il était fils de Dieu. Or maintenant, que dit-on? Il n'y a pas seulement de salut en Jésus-Christ. Il y a du salut en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas seulement de sacerdoce en notre Seigneur Jésus-Christ.
Tous les fidèles sont des prêtres. Tout le monde est prêtre. Alors qu'il faut participer sacramentellement au sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir offrir le sacrifice de la messe. Deuxième erreur. Enfin, on ne veut plus du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, sous prétexte qu'il n'est pas possible. Cela, je l'ai entendu de la bouche du nonce de Berne, je l'ai entendu de la bouche de l'envoyé du Vatican, le père Danis, ancien recteur de l'université grégorienne, qui est venu me demander, au nom du Saint-Siège, de ne pas faire les ordinations du 29 juin. Il était le 27 juin à Flavigny, lorsque je prêchais la retraite aux séminaristes. Et lorsqu'il m'a dit « Pourquoi êtes-vous contre le Concile ?» Mais enfin, est-il possible d'accepter le Concile, alors qu'à ce nom, au nom du Concile, vous dites qu'il faut détruire tous les États catholiques, il ne faut plus d'États catholiques, donc plus d'États sur lesquels règne notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus possible. Parce que ce ne soit plus possible, autre chose que nous prenions ça comme principe et que par conséquent nous ne recherchions plus ce règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que nous disons tous les jours dans notre Père ? Que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Qu'est-ce que c'est que ce règne ? Tout à l'heure, vous avez chanté dans le Gloria, « Tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Jésus Christe, vous êtes le seul Très-Haut, vous êtes le seul Seigneur. » Nous le chanterions, et puis dès que nous serions sortis, nous disons « Ah non, il ne faut plus que notre Seigneur Jésus-Christ règne sur nous. » Enfin, vivons-nous dans les logis ? Sommes-nous chrétiens ou non ? Sommes-nous catholiques ou non ? Et il n'y aura de paix sur cette terre que dans le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Les États se débattent tous les jours. Vous avez des pages et des pages dans les journaux, à la télévision, à la radio, encore maintenant avec le changement du Premier ministre. Qu'allons-nous faire pour que la situation économique se redresse ? Qu'allons-nous faire pour que l'argent revienne ? Qu'allons-nous faire pour que les industries soient prospères, etc. Tous les journaux en sont pleins dans le monde entier. Eh bien, même du point de vue économique, il faut que notre Seigneur Jésus-Christ règne. Parce que le règne de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le règne de ses principes d'amour, justement, des commandements de Dieu, qui mettent de l'équilibre dans la société, qui font régner la justice et la paix dans la société. Et ce n'est que dans l'ordre, la justice, la paix de la société que l'économie peut régner, que l'économie peut refleurir. On le voit bien. Prenez l'image de la République argentine. Dans quel état était-elle il y a seulement 2-3 mois, hein, une anarchie complète, les brigands tuant à droite, à gauche, les industries complètement ruinées, les patrons des usines enfermés et pris en otage, que c'est une révolution invraisemblable. Dans un pays pourtant si beau, si équilibré, si sympathique que la République argentine, une République qui pourrait être d'une prospérité incroyable, avec des richesses extraordinaires, vient un gouvernement d'ordre qui a des principes, qui a une autorité, qui met un peu d'ordre dans les affaires, qui empêche les brigands de tuer les autres, et voilà que l'économie revient, et que les ouvriers ont du travail, et qu'ils peuvent rentrer chez eux en sachant qu'ils ne vont pas être assommés par quelqu'un qui voudrait leur faire faire grève alors qu'ils ne désirent pas faire grève. Voilà, c'est le règne de notre Seigneur Jésus-Christ que nous voulons. Et nous professons notre foi en disant que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. C'est pourquoi nous voulons aussi la messe de Saint Pie V. Pourquoi ? Parce que cette messe est la proclamation de la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. La nouvelle messe est une espèce de messe hybride qui n'est plus hiérarchique et démocratique, où l'assemblée prend plus de place que le prêtre. Et donc, ce n'est plus une messe véritable qui affirme la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Car comment notre Seigneur Jésus-Christ est-il devenu roi aussi ? Il a affirmé sa royauté par sa croix. « Regnavit a ligno Deus ». Jésus-Christ a régné par le bois de la croix, car il a vaincu le péché, il a vaincu le démon, il a vaincu la mort par sa croix. Et donc, trois victoires magnifiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, on y dira que c'est du triomphalisme. Eh bien oui, d'accord, nous voulons bien le triomphalisme de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nos ancêtres ont construit ces magnifiques cathédrales. Pourquoi avoir dépensé tant d'argent pour des gens qui étaient beaucoup plus pauvres que nous ? Pourquoi avoir dépensé tant de temps pour faire ces cathédrales magnifiques que nous admirons encore maintenant, même ceux qui ne croient pas ? Pourquoi ? À cause de l'autel.
à cause de notre Seigneur Jésus-Christ, pour marquer le triomphe de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien oui, nous voulons professer le triomphe de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre messe, et c'est pourquoi nous nous agenouillons, nous aimons nous agenouiller devant la Sainte Eucharistie. Si nous en avions eu le temps, si je ne voulais pas vous retenir trop, nous aurions, avec le Saint-Sacrement, circulé dans vos rangs pour que vous manifestiez à notre Seigneur Jésus-Christ, à son Eucharistie sainte, que vous l'adorez. Seigneur, vous êtes notre Dieu. Ô Jésus-Christ, nous vous adorons. Nous savons que c'est par vous que nous sommes nés, c'est par vous que nous avons été chrétiens, c'est par vous que nous avons été rachetés. C'est vous qui nous jugerez alors dans notre mort, c'est vous qui nous donnerez la gloire dans le ciel, si nous l'avons mérité. C'est cela que et notre Seigneur Jésus-Christ est présent, comme il l'était sur la croix, dans la Sainte Eucharistie. Voilà ce que nous devons faire, voilà ce que nous devons demander. Nous ne sommes contre personne, nous ne sommes pas des commandos. Nous ne voulons du mal à personne. Nous voulons seulement qu'on nous laisse professer notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alors on nous chasse de nos églises à cause de cela. On chasse ces pauvres prêtres parce qu'ils disent la messe ancienne qui a été dite, dans laquelle ont été sanctifiés tous nos saints et nos saintes, Sainte Jeanne d'Arc, Saint-Curé d'Arc, Sainte Petite Thérèse de l'Enfant Jésus, ont été sanctifiés par cette messe. Et voici que des prêtres sont chassés brutalement, cruellement de leur paroisse parce qu'ils disent cette messe qui a sanctifié les saints pendant des siècles. C'est absurde. Je dirais presque que c'est une histoire de fou. Nous demandons si nous rêvons. Pas possible que cette messe soit devenue une espèce d'horreur. Pour nos évêques et pour ceux qui devraient conserver notre foi. Eh bien, nous garderons la messe de Saint-Pie-V. Pourquoi est-ce que la messe de Saint-Pie-V est la messe de 20 siècles? Elle est la messe de toujours. Elle n'est pas seulement la messe de Saint-Pie-V. Et elle représente notre foi. Elle est un rempart pour notre foi. Et nous en avons besoin de ce rempart pour notre foi. Alors on nous dira, nous faisons une question de latin et de soutane. Évidemment, c'est facile de discréditer ceux avec lesquels on n'est pas d'accord, n'est-ce pas, de cette manière-là. Certes, le latin a son importance. Et quand j'étais en Afrique, il était magnifique de voir toutes ces foules africaines qui avaient une langue différente. Nous avions parfois 5-6 tribus différentes qui ne se comprenaient pas, qui pouvaient assister dans nos églises à la messe et chanter les chants en latin avec une ferveur extraordinaire, extraordinaire. Allez maintenant voir, ils se disputent dans les églises parce qu'on dit la messe dans une langue qui n'est pas la leur, alors ils ne sont pas contents et demandent qu'il y ait une messe dans leur langue. C'est la confusion totale. Alors qu'autrefois, cette unité était parfaite. C'est un exemple. Sans doute, vous avez bien vu que nous avons lu en français l'Épître et l'Évangile, nous n'y voyons absolument aucun inconvénient. Et même si on ajoutait encore quelques prières en français, des prières communes en français, nous ne voyons aucun inconvénient. Mais il nous semble que tout de même le corps de la messe, l'essentiel de la messe, qui va de l'offertoire à la communion du prêtre, devrait rester dans une langue unique, afin que tous les hommes de toutes les nations puissent assister à la messe ensemble et se sentir unis dans cette unité de la foi, dans cette unité de la prière. Aussi, nous demandons... Vraiment, nous adressons un appel aux évêques et nous adressons un appel à Rome qu'ils veuillent bien prendre en considération le désir que nous avons de prier comme nos ancêtres, le désir que nous avons de garder la foi catholique, le désir que nous avons d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ et de vouloir son règne. C'est ce que j'ai dit au Saint-Père dans ma dernière lettre, et je croyais vraiment que c'était la dernière, parce que je ne pensais pas que le Saint-Père m'aurait encore adressé d'autres lettres. Je lui ai dit, très Saint-Père, rendez-nous le droit public de l'Église, c'est-à-dire le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez-nous la vraie Bible, et non pas une Bible œcuménique, mais la vraie Bible telle qu'était la Vulgate autrefois, qui a été tant de fois... consacrée par des conciles et par des papes. Rendez-nous la vraie messe, celle qui est une messe hiérarchique, une messe dogmatique
qui défend notre foi et qui a été celle de tant et de tant de siècles et qui a sanctifié tant de catholiques. Et enfin, rendez-nous notre catéchisme suivant le modèle du catéchisme du Concile de Trente. Car sans un catéchisme précis, sans une foi précise, que seront nos enfants demain, que seront les générations futures? Elles ne connaîtront plus la foi catholique, et nous le constatons déjà aujourd'hui. Hélas, je n'ai eu aucune réponse, sinon la suspense à divinis. Et c'est pourquoi je ne considère pas ces peines comme des peines valables. Aussi bien canoniquement que théologiquement, je pense en toute sincérité, en toute paix, en toute sérénité, que je ne puis pas contribuer par ces suspenses, par ces peines qui me sont données, par la fermeture de mes séminaires, par le refus de faire des ordinations, je ne veux pas contribuer à la destruction de l'Église catholique. Je veux que... Je veux qu'à l'heure de ma mort, lorsque notre Seigneur me demandera « Qu'as-tu fait de ton épiscopat ? Qu'as-tu fait de ta grâce épiscopale et sacerdotale ?» je ne puis pas entendre de la bouche du Seigneur « Tu as contribué à détruire l'Église avec les autres. » Mes bien chers frères, je finis, je termine, et en m'adressant à vous, en vous disant, que devez-vous faire? Oh, je sais bien, beaucoup de groupes nous demandent, « Monseigneur, donnez-nous des prêtres, donnez-nous des prêtres, donnez-nous de vrais prêtres, c'est ça dont nous avons besoin, nous avons la place pour le maître, nous construirons une petite chapelle, il sera là chez nous, il instruira nos enfants, voyez, le vrai catéchisme, la vraie foi, nous voulons garder la foi comme l'ont fait les Japonais pendant 3 siècles lorsqu'ils n'avaient pas de prêtres, nous voulons, donnez-nous des prêtres. » Eh bien, mes bien chers frères, je fais tout mon possible pour vous en préparer, et je puis dire que c'est ma grande consolation de sentir dans ces séminaristes une foi profonde. De vrais prêtres, ils ont compris ce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont compris ce qu'est le Saint-Sacrifice de la Messe, les sacrements. Ils ont une foi profondément enracinée dans leur cœur. Ils sont, je dirais, mieux que ce que nous pouvions être il y a 50 ans dans nos séminaires. Parce que ils vivent dans une situation difficile. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ont fait des études universitaires. Quand on nous jette à la figure que ces jeunes gens ne sont pas adaptés et ne seront pas parlés aux générations modernes, mais voilà des jeunes gens qui ont fait 3, 5, 7 années d'université, ne connaissent-ils pas leur génération? Pourquoi sont-ils donc venus à Écône pour devenir prêtres? C'est précisément pour s'adresser à leur génération. Ils les connaissent bien mieux que nous, bien mieux que tous ceux qui nous critiquent. Alors ils seront bien capables de parler le langage qu'il faut pour convertir les âmes. Et c'est pourquoi je suis très heureux de pouvoir vous dire cela. Nous aurons encore 25 nouvelles recrues cette année au séminaire d'Écône, malgré les difficultés. Nous en aurons 10 nouvelles à notre séminaire des États-Unis à Armada, et 4 nouvelles dans notre séminaire de langue allemande en Suisse allemande. Par conséquent, les jeunes gens, malgré les difficultés qu'on nous fait, comprennent très bien que nous formons de vrais prêtres catholiques. Et c'est pourquoi nous ne sommes pas dans le schisme. Nous sommes les continuateurs de l'Église catholique. Ce sont ceux qui font les nouveautés qui partent dans le schisme. Nous continuons la tradition. C'est pourquoi nous devons avoir confiance, nous ne devons pas nous désespérer, même devant la situation actuelle. Nous devons maintenir
maintenir notre foi, maintenir nos sacrements, appuyer sur 20 siècles de tradition, appuyer sur 20 siècles de sainteté de l'Église, de foi de l'Église. Nous n'avons pas à craindre. Certains des reporters, quelquefois, m'ont dit, « Monseigneur, vous sentez-vous isolé ?» Je dis, « Pas du tout, pas du tout. Je ne me sens pas isolé. Je suis avec 20 siècles d'Église et je suis avec tous les saints du ciel et du paradis. » Pourquoi ? Parce qu'ils ont prié comme nous, parce qu'ils se sont sanctifiés comme nous essayons de le faire, avec les mêmes moyens. Alors je suis persuadé qu'ils se réjouissent de cette assemblée d'aujourd'hui. Ils disent au moins, voilà des catholiques qui prient vraiment, qui ont vraiment dans leur cœur ce désir de la prière, d'honorer notre Seigneur Jésus-Christ. Les saints du ciel se réjouissent, vos saints anges se réjouissent. Alors ne soyons pas désespérés. Mais prions, prions et sanctifions-nous. Ah, c'est un conseil que je voudrais vous donner. Il ne faut pas qu'on puisse dire de nous, de ces catholiques que nous sommes. Je n'aime pas tellement le terme de catholique traditionnaliste, étant donné que je ne vois pas ce que peut être un catholique qui n'est pas traditionnaliste. L'Église est une tradition, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, que seraient les hommes s'ils ne seraient pas dans la tradition ? Et nous ne pourrions pas vivre. Nous avons reçu la vie de nos parents, nous avons reçu l'éducation de ceux qui étaient avant nous. Nous sommes une tradition. Le bon Dieu a voulu comme ça. Le bon Dieu a voulu que des traditions se passent de génération en génération, aussi bien pour les choses humaines, pour les choses matérielles que pour les choses divines. Conséquent, ne pas être traditionnel, ne pas être traditionnaliste, mais c'est la destruction de soi-même, c'est un suicide. Alors nous sommes des catholiques, nous continuons à demeurer catholiques, qu'il n'y ait pas de division entre nous. Précisément si nous sommes catholiques, mais nous sommes dans l'unité de l'Église, l'unité de l'Église qui est dans la foi. Il n'y a d'unité que dans la foi. Alors on nous dit, vous devez être avec le pape. Le pape est le signe de la foi dans l'Église. Et oui, et si, dans la mesure où le pape manifeste son état de successeur de Pierre, dans la mesure où il se fait l'écho de la foi de toujours, dans la mesure où il transmet le trésor qu'il doit transmettre, car qu'est-ce qu'un pape, encore une fois, c'est celui qui nous donne les trésors de la tradition et le trésor du dépôt de la foi, et la vie surnaturelle par les sacrements et par le sacrifice de la messe. L'évêque n'est pas autre chose, le prêtre n'est pas autre chose. Transmettre la vérité, transmettre la vie qui ne nous appartient pas. L'Épître le disait tout à l'heure, la vérité ne nous appartient pas, elle n'appartient pas plus au pape qu'à moi. Il est le serviteur de la vérité, comme je dois être le serviteur de la vérité. Et s'il arrivait que le pape ne fût plus le serviteur de la vérité, il ne serait plus pape. C'est pas possible. Je ne dis pas qu'il le soit, notez bien, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je dis s'il arrivait que ce soit vrai, eh bien nous ne pouvons pas suivre quelqu'un qui nous entraîne dans l'erreur, c'est évident. Or, quel est le critère de la vérité ? On me dit, vous jugez le pape. Monseigneur Benelli m'a jeté à la figure, c'est pas vous qui faites la vérité. Bien sûr, c'est pas moi qui fais la vérité, mais pas le pape non plus. La vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La vérité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il faut nous reporter à ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné, à ce que les apôtres nous ont enseigné, à ce que les pères de l'Église et toute l'Église ont enseigné, pour savoir où est la vérité. C'est pas moi qui juge le Saint-Père, c'est la tradition. Un enfant de 5 ans, avec son catéchisme, peut très bien répondre à son évêque. Si son évêque venait à lui dire « Ah, notre Seigneur n'est pas présent dans la Sainte Eucharistie, c'est moi qui suis le témoin de la vérité, dirait l'évêque. C'est moi qui suis le témoin de la vérité, moi je te dis que le Saint-Sacrement, notre Seigneur n'est pas présent dans la Sainte Eucharistie. » Cet enfant avec son catéchisme, il a 5 ans, il lit, il dit « Mais mon catéchisme dit le contraire. »
Alors, qui est-ce qui a raison? C'est l'évêque ou c'est le catéchisme? Le catéchisme, évidemment. Le catéchisme qui représente la foi de toujours. Et c'est simple comme... c'est très simple, c'est enfantin comme raisonnement. Mais nous en sommes là. Si on nous dit aujourd'hui que l'on peut faire des intercommunions et avec les protestants, qu'il n'y a plus de différence entre nous et les protestants, eh bien, ce n'est pas vrai. Il y a une différence immense. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment stupéfaits quand nous pensons que l'on a fait bénir par l'archevêque de Cantorbéry, qui n'est ni prêtre, parce que les ordinations légales ne sont pas valides, le pape Léon XIII l'a déclaré officiellement et définitivement, parce qu'il est hérétique, comme le sont tous les anglicans, je regrette, on aime plus non là, mais c'est quand même la réalité. Ce n'est pas pour lui donner une insulte, je ne demande que sa conversion, mais, et puis, que, il n'est ni prêtre, il est hérétique, et on lui demande de bénir la foule des cardinaux et des évêques présents dans l'église de Saint-Paul, n'est-ce pas, avec le Saint-Père. Mais il me semble que c'est là une chose absolument inconcevable. Eh bien, donc, je conclue vous remerciant d'être venus nombreux et vous remerciant aussi de continuer à faire de cette cérémonie une cérémonie profondément pieuse, profondément catholique. Et nous prierons donc ensemble que le bon Dieu nous donne les moyens de résoudre le problème. Ce serait si simple si chaque évêque dans son diocèse mettait à notre disposition, à la disposition des catholiques fidèles, une église en leur disant « voilà l'église qui est la vôtre ». Et ici, quand on pense que l'évêque de Lille a donné une église aux musulmans, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas une église pour les catholiques. Et en définitive, toute la question serait résolue. C'est ce que je demanderais au Saint-Père, d'ailleurs, si le Saint-Père veut bien me recevoir. Laissez-nous faire, très Saint-Père, l'expérience de la tradition, au milieu de toutes les expériences qu'on fait actuellement, eh bien, qu'il y ait au moins l'expérience de ce qui a été fait pendant 20 siècles.